Ah, c'est une chicha là. Rompé. Ou rempiche. Comment on dit. Prise. C'est quoi ton chiffre préféré? C'est 617. Ah, le chiffre il est pointu hein. Ah ouais quand même. Comment ça va madame c'est quoi? C'est un Mew ça? C'est Mew normalement je crois. Si vous reconnaissez pas Mew, je fais des sashimi en ce moment. Entre Mew, Mewtwo, Mitri et Toubitri, je me perds un peu là. Mais non, c'est la première génération, vous avez pas le droit de vous tromper. Ah les 150, ouais je les connais, mais ensuite les 800 les autres... Vous avez pas besoin d'une répa là pendant que moi non. Non, moi c'est bon. Non. J'aurais dit ça une demi-heure plus tôt, je t'aurais dit oui volontiers. Mais ouais c'est moi, je me suis fait éclater, ouais. Ça va mieux? Ouais ça va mieux, ça va mieux. Je me suis pris un pare-choc, j'ai bien mal. Ah bah, t'es sûr que c'était pas le truc des Mayans? Parce que les Mayans, ils sont cons, ils disent pas bonjour. Non. Et en plus de ça, ils ont pas une voix de mature en fait. C'est des gens têtards mouillés, hispaniques. Moi, c'était un mec. Attends, quoi des têtards mouillés, hispaniques. Comment ça, hispaniques? Mais pourquoi ils sont tant précis que ça? Si, les hola Mayans, ils sont quoi? Oh là là, et t'avais la comprelle, monsieur? Si, hola! Qu'est-ce que Non, mais pourquoi tu dis bonjour? Ils disent pas bonjour. Ah oui. Sur les conseils de Vald, ils disent pas bonjour dans leur vie. Non, mais pas. Réparation. Voilà. Non, toi, même pas ration. Il y a répare. Toi, répare. Répare, parce qu'ils savent pas. Répare, Mano, répare. Toi, répare. Non, il faut comme ça. Répare. Non, voilà. il faut comme ça. Répare. Ah oui, voilà, répare. Allez, bon courage, merci encore d'être venu. Pense à vous. Ciao. Et ouais, putain, je me suis fait écraser par un mec du Continental, il m'a laissé 2000$. Comment ça, Continental? C'est-à-dire quoi ça? Il était un peu coloré ou. Non, du Continental. Les gars, là, y a pas un truc qui vous choque? Ah, hein. Les déguisements. Y'a pas un truc qui vous choque sur Ross là? Qu'est-ce qui nous choque? Ah ouais, moi y'a un truc qui me chagrine fortement. Ah, je vois vraiment pas là. Depuis quand il a autant de barbe en flaf, c'est mon nouveau. Regarde mon nouveau holster. Ah, regardez son bonnet là, il est plein de pellicules. Non, il est chauve. Ah, des pellicules de barbe. C'est son t-shirt qui est plein de pellicules. Parce que ouais. Là, je sais pas où tu peux les voir. Les alors, je retire ton putain de cuir avant de foutre plein de pellicules de barbe ou de morpion dessus. Ah. Et tu vas aller chercher un cuir de full patch. Ah, ok. Ok, t'as 4 minutes. Chercher. Attends, me dis pas Il est actuellement 19, donc à 23, j'étais pas là. Alors, culé, il avait pré-shot. Oh. Oui, pas sauf. Alors, il a mis moins de 10 secondes, je pense que c'est pas mal. Ancien record à battre. T'étais plus rapide que Vadim. Ah, moi, j'avais pas pré-shot. Non, mais presque, en vrai, j'étais spoil. Un trou de balle. T'as parlé. Non, c'est Alex. C'est pas Vadim. Le saint gendarme, il parle beaucoup. En fait, j'ai rejoint Alex, c'était quand avant-hier. Ouais. Et en fait, il arrive, il me fait « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce cuir ?» Je fais « Mais comment ça ?» Et du coup, ben voilà, j'ai compris. Mais moi, j'attendais que mon président me le dise. Vous savez quoi? Vous allez faire pareil avec Alex. Vous allez lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce cuir ?» Oh non. Et il redevient prospect du coup. Ah bah il va avoir le gros doute du coup. Ah bah ouais. D'ailleurs président, il faudrait que je parle. Bah je te parle, bah même aux autres, enfin ça peu importe. De quoi? Bah vas-y parle, ta gueule.
J'aurais bien aimé le faire à une table, mais sinon je peux le faire là, c'est comme vous voulez. Mais pourquoi faire une table? C'est si exceptionnel que ça? Non. T'es enceinte? Non. Non, non, en gros, moi, je vous le dis, j'ai très intéressé par, par le poste de trésorier. Voilà. Comme ça, c'est dit. Après, par pur hasard, tu aurais du sang venant de pays où ils aiment l'argent. Shalom, shalom. C'est pas moi qui l'a dit, hein. En vrai, toi, t'es vraiment une dégaine, hein. Pour. C'est bon, shalom. Faudrait juste un chapeau un peu plus long. Faudrait aussi un nez un peu plus long, un peu plus crochu. Et vas-y, bah, ton annonce aussi, vas-y, tu ne la fais pas. Ouais, vas-y, je vais. Vas-y, regarde. Je vais faire une partie de l'annonce pour toi. Oh, les virages! Ah! Alors? Ah, ok. Là, Vadim, je t'entends à peine. Là, oui, c'est mieux! C'est tout le temps ça avec Vadim, c'est tout le temps ça. Mais en fait, Vadim, il demande à tout le monde d'ouvrir leur gueule, mais lui, il a repas ouvrir la sienne. Du coup, ferme ta gueule, toi! Ferme ta gueule! Du coup, le sang de ses morts! La calotte de ses morts! Le pochon de weed, il se revend 125 aux citoyens. Ouais, je sais, j'en ai vendu quelques-uns là tout à l'heure. Moi, je suis sûr que. C'est quoi ta poche, Vadim? Ouais. 608. Donc du coup avec une pousse vous faites à peu près combien de pochons? Merde tes plantes. Une plante c'est entre 60 et 80. Ah ouais quand même. Est-ce qu'on a un stockage prêt? Ouais. Alors tiens. Je veux bien que tu stockes tout ça. Hop, stockage. Pourquoi tu y mets pas à la maison étant donné que c'est là-bas qu'on... Et parce que là je suis pas à côté de ta maison en fait. Après ça tu peux le mettre dans une punto, un truc comme ça. Hein. Même les garder sur toi, c'est pas illégal. Hein. Ouais mais j'aime pas avoir plein de trucs sur moi. Ah ouais, donc du coup je suis ton vide poche quoi. Un peu ouais. Quelqu'un a à boire ça lui ou pas? Ouais j'ai attends je te dis. Putain mais après c'est quoi la prochaine étape? Il veut niquer ma femme? Bah c'est j'ai parce déjà que embrassé, j'ai dit, pas non. Vas-y donc. Non mais attends j'arrive même plus à voir mes poches. Bah moi non plus. Bah, ouais, ouais, moi aussi j'ai un peu du mal. Non, mais ça met un peu de temps. Ah, ouais, c'est ok, c'est bon. Ok, alors il te faut boire, c'est ça? Ouais. Oh! Ah, c'est bon. Ouais, on a des numéro de poche. 506. Oh! Mais qu'est-ce que c'est sur l'oreille là? Une corne de gazelle! Mais il est devenu fou maintenant. Vas-y, mais réveille-toi! Réveille-toi! Je crois qu'à force de faire de la botanie, là, il a pété un câble. Moi, je pense qu'il a dû avoir les doigts collés à la substance et il a dû se gratter les yeux ou se faire un toucher rectal. Attends, c'est qui le trou de balle? Il y a une moto. Ouais. Ah. D'accord. Ah, attends, elle est là-bas. Voilà. Salut. Ça va les gars? Bah ouais, on se demandait c'était qui le mec qui tourne autour de notre MC. Non, je pense pas tourner autour de votre MC, je suis occupé là, je suis un peu partout. Je suis dans ma tête. Ok. Ah, tu vois, c'est tout. Barode. Ouais, je barode tout ça, mais là, je pensais comme un con. Ok, bah évite juste de tourner autour du MC, parce que... Non, vas-y, c'est bon, je t'inquiète pas dessus, okay. Je casse. Vas-y, ciao ciao. C'est à cause de la pizzeria, maintenant je dis tout le temps ciao ciao. Vous êtes parti où là? On arrive. Et y'a que nous quatre là, y'a pas. Le prospect, Clochard, c'est pas et tout là. Ça, ils sont pas là? Si, je crois. Bah, il faut les appeler, attends. Mais où le prospect Clochard? Je l'ai entendu en radio là. Ouais, moi aussi, attends, t'as pas son numéro?
Y'a 2-3 bagnoles de flics qui tournent autour de Marina, donc faire gaffe. D'ailleurs, du coup, on a pris le numéro du patron du Best Buzz. Second poteau de pava. Attends, c'est quoi le numéro de... Putain, comment il s'appelle déjà? Putain, j'ai un trou de mémoire. Clochard. Dwayne. Ah oui, Dwayne. Tiens, je vous partage son numéro si vous l'avez pas. Ouais, t'inquiète, je suis en train de le rajouter. SDF. Ouais. Je vais voir ce que fait la vice presse, sinon pourquoi pas une petite bige là. Ah d'ailleurs Ouais d'ailleurs c'est Gab, enfin c'est la vice presse. Oula Vadim. Quoi? Ouais, Gabriel est devenu vice presse. C'est Gabriel qui a les kits de crochetage. Non, c'est Ryan. Parce que du coup là on a deux nouveaux cambus qu'on a trouvés. Trois même. Je crois qu'il nous en reste six dans le stockage. Et du coup on a réussi à en faire quelques-uns. Et c'est Romy qui a l'argent là. Elle a genre 15 000 ou 16 000. Bah elle est Romy. Et c'est hyper rentable. Et ouais, Romy, elle a dit qu'elle revenait ce soir. Elle était là tout à l'heure. Ok. Et en fait, elle nous a avancé 15 000 pour acheter des graines. Bah, il faudra la rembourser parce qu'il me semble qu'elle travaille nulle part, elle. Hein. Ouais. Par hasard, président, un petit peu d'argent. James, il a 15 000. Comment ça, j'ai 15 000? Mais comment tu peux savoir ça, toi? Toi t'es riche toi. Oh tu scammes mes poches. Tu scammes mes poches. Sanctus elle vaut que dalle hein. 54 000 à Sanctus, mais j'ai une petite réduction. Même moi mon compte en banque il en a pris un coup dans la gueule parce que c'est moi qui blanchis pour les petites frappes. Non mais moi je te dis actuellement en tout j'ai 25 000 en tout je dirais. Moi j'ai 2700. 20 000, allez 20 000. Mec, j'économise pour acheter le PPA, comme ça je peux acheter des flingues à l'armurerie. Allô. Allô. Tu m'entends? Oui. Ça va? Quoi? Oula, je t'entends, mais un coup sur deux, quoi. T'as dit quoi? J'ai dit je t'entends un coup sur deux. Ah. Dommage. Oula, t'as l'air de bonne humeur, toi. Bah, je sais pas, tu me fais la gueule, donc... Bah, j'ai peut-être des raisons, non? Bah, bref, tu veux quoi? J'arrive au MC. Bah, c'était pour savoir ce que tu faisais, parce qu'on a sûrement fait un bige. J'arrive, à toute. À toute. Je reviens. Tu vas où? À la boulangerie. Je reviens, je passe à la pizzeria 2 secondes. On va préparer le véhicule pour la bige. Bijouterie maintenant? Ouais. On va aller. Par contre, la bonne blague, hein. Je conduis pas, hein. Allez, j'ai. Hein. C'est possible de mourir écrasé par une moto ou pas? J'aurais de moins trouvé stylé.
once achieving mainstream acceptance. Jim. Vadim. Just a blip. Si si, hola, soy Stone ou Green Bastard. Donne Desta à la bibliothèque. Qui est pas ça, la bibliothèque. Brian is in the kitchen. Pedro. No. Pablo is on la bijouterie. Ah bon? Si, si. Quand take me sale négro tel noir. Et tu savais qu'en espagnol le sel noir on disait sale. Non, je le dis pas. On disait sale n et word up. Comme ça on peut pas se faire avoir. Hola Jeb. Buenos dias Jeb. Si, hola, buenos dias. Por favor. Parle en français, c'est plus simple. Merde. Bah, on va dire, qu'est-ce que. Ross est parti pizzeria. Rumi est parti dormir. Bah on y va à 4, c'est bon. Y'a qui radio là? Putain, j'en ai marre de cette radio. Je crois que je t'ai pas reçu. Toi, pose cette caméra, je te jure, je vais t'en mettre une. Ok. Mais juste ici. Vous êtes non reçu en radio, hein. Est-ce qu'on m'entend là? Ouais. Ouais, reçu 7 sur 8. Vous êtes OMC? Ouais. J'ai pas reconnu la voix. Ross, non? Bah, lui, il sait qu'on est OMC.
barrage, je sais pas. Quand tout d'un coup... Pardon. Suite à ça, tintintin... Si vous avez du sale autre chose qu'un œuf avec un PPA, mettez-le dans vos véhicules. Moi, j'ai même pas assez pour le PPA. Léo nous tient au courant pour la proposition qu'on leur a faite. Ils en parlent à la réunion de ce soir, apparemment. Hello. Salut. Et... Oui. Ah ouais. Puis tout le monde. Oh, t'es mal à taille du yinche. T'es mal à taille du clébard. Il s'appelle WhatsApp. Ah, il s'appelle pas Mason. Non, c'est celui de Jeb qui s'appelle Mason. Ah merde. Don, il est pas là? Non, c'est Sutter. Attends. Je peux le problème, c'est que Dwayne, je l'ai entendu radio il y a 5, il y a 20 minutes, et depuis j'ai plus de nouvelles. Non, il est parti dormir. Il sonne pas. Dormir, c'est bien, mais. Hein. Et voler, c'est mieux. Ross. Prez, James, Gladiator, Vadim, Gabriel, moi, Mesa XL, on pète 3 otages, bijouterie, action. Réaction comme un moteur. Merde, je vais peut-être prendre mon arme moi avant de monter. Ça va peut-être pas. Ouais, par contre. Vous pouvez prendre votre arme à l'intérieur, hein. Je prépare mon couteau suisse. Non, mais et c'est bon. On descend directement avec. Oui, mais ça marche tout aussi bien quand tu la prends à l'intérieur. Ouais. Bah, je dois faire le plein. Bah, va faire le plein, nous on commence à tourner. Vas-y. C'est parti. Est-ce que je me suis garé assez près? Non. J'étais sûr. Parfait. Ah oui, faut qu'elle descende. Vas-y, descends. Faut qu'il descende. Je crois que c'était grave. T'as pas de neuf? Ah. Ouais. Non, rien du tout. J'ai un couteau. Et le courage qui est derrière. Ouais, mais bon, un couteau face à un neuf. Ah quoi. Même avec la meilleure de volonté, t'en prends une. Bah oui, c'est sûr, c'est pour ça que je suis toujours petit. Allez, c'est parti. Alors évite juste Vinewood. Ah, c'est les flics là-bas. Non, sinon vous me perdez. Ah ouais. Ok. Heureusement que tu me le dis parce que... Waouh, y'a un mec qui s'est fait taper là, en face. Oui. Oh, j'ai bien un retour vers le futur là. Ouais, moi j'ai l'impression d'avoir une vision carrément. Ça peut arriver si vous êtes dans ma voiture. On a un otage. On bouge pas, monsieur, on bouge pas. Hola, descends s'il te plaît. Oh, descends, mais... descends d'armes, muchachos. Allez. Je descends, monsieur, je descends. Allez, donne-moi si ton t'as des trucs téléphone. Si t'as des trucs à ranger en deux spi, fais-le. Je vais ranger mon véhicule, si ça vous dérange pas. Allez, range ta voiture. Vas-y, range-le. C'était une petite arme aussi, je te la prends. C'est qui, lui, qui est aussi avec sa moto? Allez, on grimpe. J'arrive, vous découpez pas en morceaux, s'il vous plaît, monsieur. Oh non, quand même pas. On a pas de katana, t'inquiète pas.
On en a un. Je sais pas si on va entendre la radio. Alors, on en a un, nous, des otages. Ah, reçu, bah, dans 30 secondes, on va. Vous en avez combien? On en a deux. Dès qu'on les voit arriver, on fonce. On attend la bijouterie. Oh, comment tu t'appelles toi derrière?